Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Aristide Lebongui, professeur de philosophie. Comme toujours, avec vous, nous allons continuer notre voyage de pensée. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le thème numéro 2 que nous avons amorcé depuis la semaine passée. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord vous raconter une petite anecdote. En 2004, lors de la finale de l'Euro, le match qui a opposé la France à la Grèce. Et cette rencontre s'est soldée par la victoire des Grecs. À la fin de la rencontre, les Grecs ont commencé à entonner une chanson. Je cite, « Les Français ont joué avec le corps et nous, les Grecs, avons joué avec l'âme. » Alors, chers apprenants, qu'est-ce qu'il faut retenir au travers de cette anecdote? L'âme et le corps sont les deux parties essentielles de l'être humain. Mais, devant certaines circonstances, l'âme paraît supérieure au corps. Cela dit, nous pouvons alors revenir sur le cours que nous avons amorcé la semaine dernière. Avec vous, nous avons parlé des conceptions de la conscience. À ce sujet, nous avons évoqué la question de la nature de la conscience. Et voici ce qui a été dit en substance. Cette question relative à la nature de la conscience a opposé deux notions essentielles. Nature de la conscience. Deux notions essentielles. D'un côté, nous avons parlé du cogito cartésien. Du cogito cartésien. Et de l'autre, de l'intentionnalité husserlienne. Intentionnalité husserlienne. Comme pour dire que d'après le cogito, ou encore selon René Descartes, la conscience s'isole du monde. Elle est donc insulaire. La conscience est insulaire.
elle n'a aucun rapport avec le monde et elle se présente comme une chose, une entité qui se suffit à elle-même. Elle est donc dite autosuffisante, autonome, souveraine. Bref, la conscience est un repliement sur soi. Alors, qu'en est-il de l'intentionnalité husserlienne? Alors, selon Husserl, la conscience est toujours liée au monde. Autrement dit, elle instaure toujours une relation entre le sujet pensant qu'est l'homme et l'objet pensé qu'est le monde. Pour reprendre les mots de René Descartes, j'allais dire les mots de Husserl lui-même, tout cogito a toujours son cogitatum. Tout cogito a toujours son cogitatum. C'est-à-dire, il n'y a pas de « je pense » qui ne soit pas en même temps « je pense quelque chose ». Donc, la pensée est toujours orientée vers l'objet. Elle devient, à cet effet, un projet, un éclatement vers, un jaillissement. La conscience est toujours positionnelle. Bien, au regard de cette question portant sur la nature de la conscience, il ressort que cette entité a une nature ambivalente. La conscience a la capacité de s'ouvrir au monde et de dialoguer avec soi-même. Cependant, la séance d'aujourd'hui va porter sur les rapports entre la conscience et le corps. La conscience et le corps. Pas le monde, mais le corps. C'est pourquoi, à la fin de la séance, portant sur les rapports entre la conscience et le corps, l'apprenant de la classe de terminale doit être en mesure d'analyser tous les deux types de rapports de la conscience avec le corps à partir des notions acquise. Cela dit, nous allons d'abord revenir sur un point, à savoir les différentes composantes de l'homme. Voici l'homme. Même si mon dessin n'est pas joli, mais au moins vous comprenez qu'il s'agit de l'homme. Et il y a deux parties ici. La première partie, c'est là, la conscience. Et à votre niveau, la conscience est synonyme de l'âme. La conscience est synonyme de la pensée, de l'esprit. De la raison, de l'entendement, bref. Elle représente la partie invisible de l'homme. Tandis que le corps, c'est la partie visible de
l'homme. Il est représenté par les organes de sens. Et le corps devient cette machine composée d'os et de chair. Donc, à la place du corps, on peut mettre sensibilité. Donc, lorsque nous captons les objets du monde extérieur de par nos sens, en réalité, c'est le corps qui agit, qui est en mouvement. Nous avons nos deux éléments, la conscience et le corps. Mais entre ces deux éléments, ces deux parties de l'homme, il existe un certain nombre de rapports qui se résument sur deux dimensions. Bien, deux dimensions. D'un côté, nous avons la distinction, c'est pourtant dire que les deux sont différents. Donc, distinction, conscience, corps. Le deuxième rapport, union, conscience, corps. Cependant, il convient de rappeler que notre séance sera porté sur la distinction conscience-corps. Donc, petit temps, distinction conscience, distinction, conscience, corps. Bien. Nous avons parlé de deux types de relations, deux types de rapports. D'un côté, il y a la distinction, conscience, corps. Et de l'autre côté, union, conscience, corps. Et le petit 1, je reviens, le petit 1. Donc, l'objet de notre apprentissage, c'est le premier type de rapport. Autrement dit, distinction, conscience, corps. Il y a un mot qui pose problème. Puisque nous connaissons ce que c'est que le corps, certainement, nous connaissons également ce que c'est que l'âme, puisque ce sont les deux éléments que nous avons. C'est le mot distinction. Distinction. Alors, la distinction renvoie à quoi? À la différence. La distinction nous renvoie à la différence. Donc, distinguer deux choses n'est autre que établir la différence entre deux choses. Donc, à ce niveau, nous allons établir la différence entre la conscience et le corps. Donc, je mets ici au milieu distinction, conscience, corps. Nous allons encadrer. Pourquoi? Parce que c'est le thème central.
Et nous allons continuer avec nos schémas. Dans cette distinction, nous allons étudier deux types de rapports. Donc, deux volets. D'un côté, nous parlerons de la supériorité de l'âme sur le corps. On fait comme les mathématiciens, âme, qui n'est autre que la conscience, supérieure au corps. Et de l'autre côté, nous parlerons de la supériorité du corps sur l'âme. Donc l'ordre est inversé. Corps supérieur à l'âme. Bien. De ces deux types de rapports, nous allons examiner, pour ne pas dire analyser, le rapport de supériorité de l'âme sur le corps à travers deux philosophes, à savoir Platon et René Descartes. Platon et René Descartes. Ces deux philosophes ont fait cette distinction. Et au-delà de cette distinction, ils ont montré que la conscience, donc l'âme, est plus essentielle, plus déterminante que le corps. Petit a, supériorité de l'âme sur le corps. Supériorité de l'âme sur le corps. Bien. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet, nous allons d'abord définir de façon exhaustive ces deux notions, la conscience et le corps. Bien. La conscience ou l'âme, ou encore l'esprit. Nous avons dit qu'il s'agit de la partie immatérielle et immortelle de l'homme. C'est pour autant dire que l'âme n'est pas visible. Non. On ne voit pas l'âme. Et quand l'homme meurt, l'âme ne meurt pas. Elle reste éternelle. Le corps périt, se réduit en poussière. Mais l'âme, elle, continue à exister. Nous avons ensuite le corps.
qui désigne la partie matérielle et mortelle de l'homme. Alors, au regard de ces deux définitions, on comprend déjà que l'âme est réellement distincte du corps. Autrement dit, il y a une différence entre l'âme et le corps. Tout à l'heure, nous avons dit que l'âme, on ne la voit pas. Et quand l'homme meurt, l'âme continue à survivre. Mais le corps, lui, on le voit. On le perçoit à travers nos organes de sens. Le corps a une forme. Bien, chers apprenants, qui a déjà vu son âme? Mais or, le corps, vous le voyez tous les jours. Déjà, quand vous parlez, quand vous regardez, vous utilisez quoi? Votre corps. Et le corps est mortel. Le corps meurt. Il se désagrège et il se réduit en poussière. Donc, c'est la boue. Cette enveloppe composée de la terre. Bien. Mais qu'est-ce qui est supérieur entre les deux? Selon Platon et René Descartes, c'est l'âme qui domine. Le corps est subordonné. Autrement dit, le corps est réduit au second plan. Nous allons donc analyser les conceptions de ces deux philosophes. Commençons par Platon, parce que c'est lui l'aîné. Platon, c'est un philosophe rationaliste, idéaliste, grec, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il est le fondateur de l'Académie, le disciple de Socrate et le maître d'Aristote. Mais qu'est-ce qu'il dit au sujet de la supériorité de l'âme sur le corps? Bien. Alors, chez Platon, il y a deux types de rapports entre l'âme et le corps. Le premier rapport c'est le rapport alors le deuxième rapport le rapport d'interdépendance, ce que nous avons appelé par la supériorité. Donc, ici, on met âme supérieure au corps. Quand nous parlons de la philosophie platonicienne, on doit d'abord penser à sa théorie, à la théorie de Platon sur l'existence des deux mondes. D'un côté, il y a le monde
intelligible qui est pour lui le vrai monde. Pourquoi le vrai monde? Parce que c'est le monde des idées. Le monde des idées. Le monde de la connaissance. En grec, on dit de l'épistémé, le monde de la connaissance. De l'autre côté, Platon nous parle du monde sensible. Le vrai s'oppose au faux. Donc, le monde sensible, c'est le faux monde. Pourquoi le faux monde? C'est parce que c'est la copie ou le reflet du monde intelligible. La copie du monde intelligible. Alors, c'est le monde des apparences. Des illusions. Des illusions. Le monde de l'opinion. La doxa. L'opinion ne pense pas. Quand elle arrive à penser, elle pense toujours mal. Donc si on veut accéder à la connaissance, on doit nécessairement détruire l'opinion. C'est pour autant dire que le monde sensible étant le monde des apparences, il est susceptible de nous conduire dans les erreurs. Le monde des erreurs. Rappelez-vous, vous avez l'habitude de dire que les apparences sont trompeuses. Donc ce qui est dans le monde sensible nous trompe. La vérité vraie réside dans le monde intelligible. Pourquoi une vérité vraie? Parce que cette vérité ne change pas. Elle est éternelle. Elle est immuable. Tandis que la vérité issue du monde sensible, elle est éphémère, donc passagère. Le monde sensible devient le monde de la corruption et de la génération. Il ne peut pas nous donner la connaissance. Bien. La subdivision ces deux mondes correspondent à la distinction âme-corps. Donc, l'âme est une réalité du monde sensible, non, du monde intelligible. Je mets l'âme ici. Elle a séjourné dans le monde intelligible. Elle a été en contact des idées qui sont en réalité les causes ou ce qui donne naissance aux objets du monde sensible. Et le corps est une réalité du monde sensible. Déjà à ce niveau, nous comprenons que l'âme possède quoi? La connaissance. Et le corps est voué à l'ignorance. Alors, si l'âme est une réalité du monde intelligible, donc aux yeux de Platon, l'âme devient quelque chose d'invisible et d'éternité. Autrement dit, l'âme est éternelle. L'âme est impérissable. L'âme est immortelle. Qu'en est-il pour le corps? Le corps est mortel. C'est l'espèce visible. Éteint, le corps est un malheur pour l'âme.
Ça veut dire quoi? Que si l'âme veut penser, si l'âme veut accéder à la connaissance de quoi que ce soit, elle doit nécessairement se séparer du corps. Aussi longtemps que l'âme cheminera avec le corps, elle ne pourra pas atteindre la vérité. D'ailleurs, le corps en grec veut dire soma. Le corps en grec veut dire soma. Soma renvoie à quoi? À une tombe. Et soma veut dire tombeau, sépulcre. Donc, d'où la nécessité de les séparer. Alors, s'il faut séparer les deux pour que l'âme soit libre, pour que l'âme arrive à atteindre la vérité qu'elle avait d'ailleurs contemplée durant son existence antérieure dans la vie, dans le monde intelligible, cela signifie que selon notre auteur, il existe un rapport d'incompatibilité entre l'âme et le corps. Pour illustrer cette incompatibilité, Platon écrit dans le Phèdre. Eh bien, c'est au contraire, pour nous, chose prouvée, que si nous ne devons jamais avoir une pure connaissance. Une pure connaissance de quoi que ce soit. Il faut nous séparer de lui. Avec l'âme en elle-même et avec l'âme en elle-même, contempler les choses en elle-même. Eh bien, c'est au contraire pour nous, chose prouvée,
pour une chose prouvée que, voilà, lapsus, si nous devons jamais avoir une pure connaissance de quoi que ce soit, il faut nous séparer de lui et, avec l'âme en elle-même, contempler les choses en elle-même. Alors, ces informations, vous les aurez dans le Fédon. Donc, le Fédon, bien, le Fédon ici se trouve dans la collection des œuvres complètes de Platon. Et la traduction de Léon Robin, publiée aux éditions Gallimard à Paris en 1956. Je vous donne seulement la pagination. La page 778. Bien, donc si vous avez ce document, vérifiez à la page 778, vous aurez cette pensée de Platon. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En réalité, Platon veut tout simplement nous dire que le corps fait obstacle à la connaissance. Le corps fait obstacle à la connaissance. Le corps appesantit l'âme de telle sorte que cette dernière ne peut plus aller vers le monde intelligible pour atteindre la vérité. Il faut nous séparer de lui, voyez, de lui. Quand Platon parle de lui, il fait allusion au corps. Donc, par là, on comprend déjà la séparation entre ces deux entités qui ne peuvent pas faire bon ménage. Bien. Au-delà de l'incompatibilité, nous avons parlé également de la supériorité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? À ce niveau, Platon est clair. Il part d'une conception naturaliste. J'allais dire d'une certaine hiérarchie naturelle. Hiérarchie naturelle. Quand nous parlons de la hiérarchie, nous voyons l'ordre. Donc, par nature, il y a un ordre. Donc, la nature avait établi un ordre, de telle sorte que l'âme prenne le dessus sur le corps. Pourquoi et comment? Platon nous dit, l'âme est un principe divin. Le corps
c'est ce qui est mortel. Or, par nature, ce qui est divin est au-dessus de ce qui est mortel. Donc, divin est au-dessus mortel. On a dit, le divin est au-dessus de mortel. Au-dessus, au-dessus. Et au-dessus. Bien. Regardons les deux définitions. Ces deux réalités sont différentes par nature. Selon Platon, c'est ce que les définitions nous enseignent. Ce qui est divin renvoie à l'âme. Et ce qui est mortel renvoie au corps. Alors, si le divin prend le dessus sur le mortel, cela signifie que l'âme est appelée à commander et le corps fait quoi? Obéit. Donc, la relation entre l'âme et le corps, s'il faut dresser un parallélisme, c'est la même relation qui existe entre le maître et l'esclave. Le maître donne les ordres et l'esclave fait quoi? L'esclave exécute. Exécute. Comme pour dire qu'aux yeux de Platon, dans leur union, l'âme est faite pour commander. Donc, l'âme agit en maître. Le corps, puisqu'il obéit, il est réduit au rang de l'esclave. Dans la vie communautaire, l'esclave se soumet à la volonté de son maître. Donc, c'est pour autant dire qu'à ce niveau, le corps est subordonné à l'âme. Pour étayer cette pensée, cette thèse, Platon ajoute, toujours dans le Phédon, lorsque sont unis lorsque sont unis ensemble ensemble âme et corps, alors la nature prescrit d'être esclave et
a une autorité. La nature prescrit d'être esclave et soumis à une autorité, à l'autre, d'exercer l'autorité. À l'autre d'exercer l'autorité et d'avoir la maîtrise. Et d'avoir la maîtrise. Toujours dans l'ouvrage précité, cette fois-ci, à la page 799. Lorsque nous analysons minutieusement cet extrait de Platon dans le Phédon, on se rend compte que lorsque Platon parle de l'un, il fait allusion au corps. Et lorsqu'il parle de l'autre, ça nous renvoie à l'âme. Donc on peut remplacer. Lorsque sont unis ensemble âme et corps, au corps, la nature prescrit d'être esclave et soumis à une autorité. À l'âme, donc la nature prescrit à l'âme d'exercer l'autorité, mais exercer l'autorité sur quoi? Sur le corps. D'avoir la maîtrise. La maîtrise de quoi? Du corps. Donc par là, on comprend aisément que selon Platon, l'âme exerce un pouvoir magistral sur le corps. Voilà. L'âme exerce un pouvoir magistral sur le corps. D'où, voilà, d'où ça sa supériorité. L'âme exerce un pouvoir magistral sur le corps, d'où sa supériorité. Alors, au regard de notre analyse de la conception platonicienne sur la supériorité de l'âme sur le corps, il convient de retenir que l'âme est non seulement incompatible au corps, mais aussi elle lui est supérieure. Les deux pensées que vous avez notées tout à l'heure justifient ces deux types de rapports développés par Platon. Nous allons maintenant parler du deuxième philosophe. En l'occurrence,
René Descartes. Bien. Avec René Descartes, nous gardons le même schéma. Nous gardons le même schéma. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Descartes, comme son devancier, Platon. Nous avons déjà parlé de Descartes ici, en étudiant le cogito. Rappelez-vous, nous avons dit que c'était un philosophe français, un philosophe rationaliste français du XVIIe siècle. Et en dehors de la philosophie, René Descartes était en même temps un mathématicien et un physicien. Bien. En ce qui concerne la distinction âme-corps, voici comment Descartes définit ces deux entités. L'âme, en latin, est une res cogitans. Res cogitans. C'est-à-dire une substance. Une substance, donc une chose, une substance pensante. Donc, quelle est la nature de l'âme? La nature de l'âme, selon Descartes, est de penser. Donc l'âme est une chose qui pense. Elle se distingue du corps. Qui, selon Descartes, est une res extensa, en latin, bien sûr. C'est-à-dire une substance étendue, une substance étendue. Donc le corps, c'est quelque chose qui a une grandeur, une longueur, quelque chose que l'on peut peser, quelque chose que l'on peut démembrer, bref, cette chose qui a une forme. Or l'âme n'a pas de forme. Or tout ce qui à une forme est visible. Donc, quand nous parlons du corps, selon René Descartes, on fait allusion à l'étendue. Et lorsque nous parlons de l'âme, nous faisons allusion à la pensée. Comme pour dire qu'à la différence de Platon, qui oppose l'âme du corps. Mais René Descartes les unit. Il les met ensemble. Donc l'âme et le corps font bon ménage. Voilà pourquoi nous avons parlé de la compatibilité âme-corps. Mais ce n'est pas l'objet de notre cours. Nous avons voulu juste signifier. Donc après la distinction conscience-corps, il y a un autre point, un autre rapport, ce que nous avons énuméré au début, union âme-corps. C'est dans cette partie du cours que vous allez étudier la compatibilité ou l'union âme-corps chez René Descartes. Donc, pour la séance de ce jour.
nous allons nous limiter à la supériorité de l'âme sur le corps. Alors, comment Descartes procède-t-il pour montrer la prééminence, pour montrer la primauté de l'âme sur le corps? Voici la réponse qu'il nous donne dans le discours de la méthode. Discours de la méthode, plus précisément dans la quatrième partie. En sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis. L'âme par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps. Et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui. Bien, la pensée continue. Nous allons nous arrêter à lui, puisque c'est la partie qui nous concerne. Nous avons dit discours de la méthode. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la quatrième partie. Et si vous prenez cette édition, Flammarion, l'ouvrage était publié en France en 1966, donc à Paris, je reprends le titre de l'ouvrage, le discours de la méthode, la quatrième partie, l'édition Flammarion, la ville Paris, l'année de publication 1966. Alors, si vous prenez l'édition de Geneviève Rodi Lévis, à la page 54. La page 54.
Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette pensée? On doit d'abord la relire en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui. Nous pouvons diviser cette pensée en deux parties. Deux parties. La première partie montre quoi? La différence entre l'âme et le corps. Regardez bien. Ce moi, donc le moi c'est l'âme, par laquelle je suis ce que je suis, est. Donc l'âme est entièrement distincte du corps. Autrement dit, l'âme est différente du corps. L'âme est différente du corps. C'est la première leçon. La deuxième leçon, il y a un connecteur, la conjonction. Quel est plus aisé à connaître que lui? Quelle? Donc, elle est mise pour l'âme. Donc, l'âme est plus aisée. Ça veut dire quoi, plus aisée? Plus habile, plus facile à connaître que lui. Et lui, c'est le corps. Donc, l'âme connaît plus que le corps. Pourquoi? La réponse est claire. Que fait l'âme? L'âme pense. Or, la pensée, c'est ce qui est en nous et qui fait que nous soyons immédiatement connaissants. Donc, c'est la pensée qui donne la connaissance à l'homme. Pendant que le corps, qui se limite sur les apparences, conduit l'homme dans la fausseté. Donc, sur le plan gnoséologique ou dans le processus de la connaissance, l'âme vaut plus que le corps. Donc, cette dernière partie de la pensée de René Descartes justifie bel et bien la supériorité de l'âme sur le corps. Et nous avons dit sur le plan gnoséologique, donc dans le processus de la connaissance. Autrement dit, selon René Descartes, l'âme est la source de la connaissance la plus fiable, parce que le corps est source d'erreur. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir de la pensée de René Descartes? Selon ce philosophe français, l'âme est non seulement différente du corps, mais aussi elle est plus facile à connaître que lui. Déjà, au niveau de la définition, Descartes montre la distinction entre les deux. L'âme, c'est ce qui pense. Le corps, c'est l'étendue. Donc, naturellement, les deux se distinguent. Sur la supériorité de l'un ou de l'autre, Descartes nous dit, attention, bien que l'homme est une dualité, bien que le corps n'est pas passif, il a son rôle à jouer, mais dans leur rapport, la conscience paraît plus déterminante. La conscience paraît plus
essentielles. Alors, il y a aussi un autre aspect que vous devriez retenir. L'âme par laquelle je suis ce que je suis. Revenons sur la pensée. L'âme par laquelle je suis ce que je suis. Qui suis-je? René Descartes donne une réponse très simple. Je suis une chose qui pense. Et on revient sur le cogito ergo sum. Je pense donc, je suis. Donc la pensée détermine l'homme. C'est pour autant dire que selon René Descartes, ce qui fait la supériorité de l'âme sur le corps, ce n'est pas seulement parce que l'âme connaît plus que le corps. Deuxièmement, l'âme détermine l'homme. On reconnaît l'homme dans la nature grâce à la conscience et non au corps. Au début de notre voyage de pensée, je vous ai dit qu'à la fin de la séance portant sur les rapports entre la conscience et le corps, vous, apprenant de classe de terminale, vous devriez être en mesure d'analyser tous les deux rapports, tous les deux types de rapports entre la conscience et le corps. Cependant, notre réflexion portée sur la distinction conscience-corps, notamment sur la supériorité de l'âme sur le corps. Et nous avons étudié combien de penseurs? Deux. Platon et enfin René Descartes. Nous avons commencé avec Platon, et lui, dans ce rapport entre l'âme et le corps, il évoque deux types de rapports. D'une part, l'incompatibilité entre ces deux entités, de telle sorte que le corps constitue une entrave. Le corps constitue un obstacle pour l'épanouissement, l'élévation de l'âme. Quand l'âme est associée au corps, elle est troublée, elle est divagante, elle devient ivre. Donc, pour accéder à la connaissance, l'âme doit nécessairement s'en séparer. L'âme doit nécessairement se détacher du corps. D'autant plus que le corps rempli d'innombrables sottises ôte à celle-ci sa possibilité de penser, la possibilité de connaître. En dehors de cette incompatibilité, Platon reconnaît aussi la supériorité, la primauté ou la prééminence de l'âme sur le corps. Voilà pourquoi à l'âme, la nature lui a donné le pouvoir. Et au corps, la nature lui a réservé la place de la soumission, de l'obéissance. Quant à René Descartes, ce que vous devriez retenir, c'est que lui aussi, au XVIIe siècle, il pose l'homme comme une dualité, c'est-à-dire ayant deux réalités, l'âme et
le corps. Il définit l'âme comme une chose qui pense. Et le corps, il le ramène à l'étendue, c'est-à-dire quelque chose de malléable, quelque chose de palpable. Au-delà de la distinction naturelle entre ces deux entités, René Descartes reconnaît la supériorité de l'âme sur le corps. Pour deux raisons. La première, l'âme connaît plus que le corps. Elle est la véritable source de la connaissance. La deuxième raison, c'est que l'homme se détermine par la pensée. Donc, entre l'âme et le corps, ce qui est au fondement de l'homme, ce n'est pas le corps, c'est plutôt l'âme. Donc, la conscience devient la marque, le signe distinctif entre l'homme et les autres êtres de la nature. Chers apprenants, nous voici à la fin de notre voyage philosophique. Certainement, le bon Dieu continuera à nous garder et prochainement, nous allons évoquer un autre point relatif au rapport conscience-corps. À très prochainement.